In this lesson, we will see together two words that are written differently but pronounced the same way. Compter. Compter. So let's start with the first one, compter, with two examples. Je vais compter jusqu'à dix, puis vous pourrez vous cacher. Je vais compter jusqu'à 10, puis vous pourrez vous cacher. So as you can see, in that situation, compter is a verb, and it's in the infinitive form here. Compter, because it's the second verb after aller, conjugated here. Je vais compter. Il a l'intention de compter toutes ses économies pour voir combien il peut dépenser pendant les vacances il a l'intention de compter toutes ses économies pour voir combien il peut dépenser pendant les vacances Donc, so, « compter here same thing hein? verb regular verb from the first group and it's the infinitive form compter compter so let's have a look at the second one compter here With two examples, elle aime compter des histoires fantastiques à ses enfants avant de dormir. Elle aime compter des histoires fantastiques à ses enfants avant de dormir. So here, compter, it's a verb and it's the infinitive form because it comes after the verb aime that is conjugated here. Elle aime Compter, regular verb from the first group. Mon grand-père aimait nous compter des légendes de Bretagne. Mon grand-père aimait nous compter des légendes de Bretagne. So infinitive form here, compter, first group and regular. so one more time conte here infinitive form of the verb conte of the first group and then conte here same thing regular verb from the first group and it's the infinitive